Bonsoir à tous, hein. Merci beaucoup d'être venus nombreux. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'ESO, et au travers de l'ESO, ce que nous, on a fait avec l'ESO. Donc, l'ESO, c'est l'organisme européen d'astronomie, c'est un peu l'équivalent du CERN pour l'astronomie. C'est donc l'Observatoire européen austral, et... c'est pour nous vraiment l'outil pratiquement unique et indispensable qui nous permet d'observer l'univers. Donc à travers l'ESO, je vais vous décrire un peu, je vais vous donner un petit panorama de ce qu'on fait à l'ESO. Pas complètement exhaustif, mais enfin, quand même assez complet, à la fois des projets passés, mais aussi des projets à venir. Et puis, par le biais de ça, je vous montrerai quelques-unes des découvertes qui ont été faites, mais bon, elles sont nombreuses. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment sur ces drôles de machines qu'on s'amuse à construire et comment elles sont faites, pourquoi est-ce qu'on les fait, qu'est-ce qu'on va en faire, et à quoi... Donc voilà, c'est ça que je veux essayer de vous raconter aujourd'hui. Alors, donc, avant le télescope... Et pendant bien longtemps, jusqu'au XVIIe siècle, nous avons l'œil comme outil. Et l'œil est un instrument absolument remarquable. Il est surtout extrêmement puissant pour déterminer, voir des objets, voir des mouvements, etc., associés au cerveau, évidemment, qui fait l'analyse. Et l'œil a été l'outil pour faire de l'astronomie pendant... très longtemps, parce que depuis que l'homme est l'homme, il observe le ciel, il a besoin d'identifier le temps, les saisons pour l'agriculture, et tout ça il le faisait en regardant, en observant le ciel, en mesurant les mouvements des planètes, les étoiles, etc. Alors si on prend, pour se rappeler un peu après, donc le collecteur, c'est-à-dire la quantité de lumière que l'œil peut absorber, c'est le diamètre, c'est 1 cm. Donc c'est relativement modeste, mais le récepteur qui est derrière, l'œil est extrêmement sensible. Donc même avec un petit diamètre, on est capable de voir beaucoup, beaucoup de choses. L'œil est fait pour observer des mouvements, donc la dynamique, donc il n'a pas de mémoire, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'accumuler la lumière pendant longtemps. Donc, comme mémoire, ce qu'on avait, c'est le dessin. Donc, on avait l'œil et le dessin. Le dessin, c'était un peu, finalement, le détecteur qui permettait de garder une trace de ce qu'on voyait. Pendant longtemps, d'ailleurs, jusqu'à l'invention de la plaque photographique, les astronomes, même quand ils avaient donc, des lunettes et des télescopes, ils dessinaient. Il dessinait, et donc, même si vous venez visiter l'Observatoire de Lyon, on a des vieilles cartes où on notait très précieusement toutes les positions absolues des étoiles. Voilà. Et avec l'œil, on peut voir à peu près 6000 étoiles. Alors, pas à Lyon, hein, mais avec un œil un peu entraîné dans un ciel bien noir, c'est à peu près 6000 étoiles qu'on peut observer. On peut observer les planètes, on peut observer les comètes. Alors, juste pour dire, avec juste l'œil et un bon cerveau, on peut quand même faire des choses relativement intéressantes. Et on n'a pas attendu l'invention des télescopes pour s'intéresser, essayer de comprendre le ciel et faire des mesures. Juste un exemple parmi elles. Ici, c'est donc Ératosthène, en 230 avant Jésus-Christ, qui juste en observant le soleil, les longues portées du soleil à différents endroits, et avec des très bonnes notions de géométrie, a pu déterminer avec une assez très bonne précision le diamètre de la Terre. Donc, c'est intéressant de se rappeler que même avec des moyens finalement assez modestes, on a pu, en s'intéressant à l'observation, déterminer des choses majeures. Alors, l'astronomie, avec les instruments, commence vraiment à partir de l'invention de la lunette astronomique en 1609. Donc, Galilée réalise une lunette. Alors,
il y avait déjà quelques lunettes qui étaient réalisées, avec des grossissements de 2 à 3, et lui, il s'intéresse à observer le ciel avec des lunettes qu'il réalise lui-même et qui ont un grossissement de 20. Vous voyez ici la photo de la lunette de Galilée. Il faut imaginer que c'était un objet totalement exceptionnel pour l'époque, mais que si nous regardions dedans aujourd'hui, on verrait pratiquement rien, hein, parce que la qualité d'image n'était pas celle qu'on peut faire. N'importe quelle petite jumelle le fait mille fois mieux. Mais avec ça, il a pu déterminer un nombre de choses assez exceptionnelles. Il a observé évidemment la Lune, il a découvert que la Lune avait donc des cratères. Il a découvert les satellites de Jupiter, les phases de Vénus. Et l'ensemble de ces choses lui a permis de remettre en cause le modèle géocentrique de Ptolémée, hérité des Grecs, et de nous replacer en dehors du centre du monde, en mettant le Soleil au centre. Vous pouvez voir, ça c'est les écrits originaux de Galilée, et vous voyez, il mesure les petits points, c'est les satellites de Jupiter qu'il a pu observer, et en regardant les satellites de Jupiter jour après jour, donc il a pu déterminer que ces satellites tournaient autour de Jupiter. Donc tout ne tournait pas autour de la Terre. Et à partir de ça, avec aussi les phases de Vénus et d'autres choses, il a pu faire ce changement de paradigme absolument incroyable, qui était de remettre en cause le modèle géocentrique. Bon, ça c'était la petite introduction. Alors les eaux. Alors, il faut imaginer que après Galilée, le développement des lunettes s'est développé de façon très importante pour pouvoir observer de plus en plus de choses. Et on a développé d'abord les lunettes. Alors les lunettes, c'est fait avec des verres, comme des verres de lunettes, hein, pour avec des pouvoirs grossissants. Et puis, inventés les miroirs, et on a fait ce qu'on appelle des télescopes, dans lesquels on a des miroirs. Alors l'avantage du miroir, c'est que pour faire un pouvoir grossissant avec des lunettes, il faut avoir une longueur focale de plus en plus longue. Donc ça fait des lunettes de plus en plus longues. Donc si vous avez vu, par exemple, il y a la grande lunette à l'Observatoire de Nice, il y en a une à Paris aussi, c'est des objets très spectaculaires, magnifiques, mais ils sont très longs. Et ils sont très longs, ce qui fait qu'au bout d'un moment, c'est très difficile de maintenir l'alignement correct entre les lentilles. Et donc l'image, à la fin, est brouillée. Et donc, avec un miroir, on peut d'abord faire des miroirs plus grands, plus facilement. Il n'y a pas de problème de correction de couleur. Et puis, on peut faire des allers-retours d'image, et donc c'est toujours plus compact. Donc ça a été un grand développement. Et donc, les pays se sont mis à fabriquer des télescopes. En général, en France, on a construit plusieurs observatoires importants. L'observatoire de Haute-Provence, l'observatoire du Pic du Midi, dans les Pyrénées, sur lequel on a mis des télescopes. Alors l'astronomie au sol a un gros défaut, c'est qu'elle se situe en dessous de l'atmosphère. Et l'atmosphère, bon, certes, elle nous est très utile, mais au niveau astronomique, l'atmosphère perturbe les signaux lumineux. Donc j'y reviendrai, parce que c'est une limitation assez fondamentale. Donc on peut définir ce qu'on appelle le pouvoir théorique d'un télescope. Le pouvoir théorique d'un télescope, il est proportionnel au diamètre du miroir primaire, du grand miroir. Mais en pratique, pour des télescopes de la taille supérieure à 20-30 cm, la limitation ne vient plus, on est bien en-delà du pouvoir théorique du télescope, parce qu'on est limité par l'atmosphère. Et donc très rapidement, on a cherché à se mettre dans des sites qui sont bien meilleurs, où il y a la turbulence de l'atmosphère est moindre. Donc on se place en général en hauteur, et dans les sites, si possible, secs, évidemment, parce qu'on n'observe pas à travers les nuages. Et donc,
l'endroit de, où on met un télescope a, est devenu un élément capital. Il ne servait à rien de faire des grands télescopes puissants si c'était pour les mettre dans des mauvais sites. Quelques erreurs fondamentales ont été faites d'ailleurs de grands télescopes qui ont été construits et qui ont été mis sur des mauvais sites pour des raisons politiques. La politique, dans ce cas-là, fait mauvais ménage avec la science. Et c'était des grands télescopes qui sont quand même des investissements importants, qui ont produit peu de résultats scientifiques. Donc, et puis ces télescopes devenaient de plus en plus chers, et à un moment donné, on veut aussi observer l'ensemble du ciel. Donc en France, les grands télescopes qu'on a construits en dehors du territoire national, quand on est passé à la taille du télescope de diamètre de 4 mètres, il n'y avait pas de bon site en France. Et donc, on a commencé par mettre un télescope dans l'hémisphère nord sur les grands volcans éteints des îles hawaïennes. Donc, on s'est associé avec les Canadiens et puis l'État d'Hawaï pour créer un grand télescope, un télescope de 4 mètres, qui s'appelle Canada France Hawaï, qui a été un des premiers grands télescopes qui a été situé en dehors du domaine national. Mais on souhaitait aussi observer l'hémisphère sud. Parce que on peut observer, si vous regardez le ciel, vous allez voir une bonne partie de l'ensemble du ciel ici, mais pas tout. Il y a une partie qui vous restera à tout jamais cachée, sauf si vous dépassez l'hémisphère sud. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller dans l'hémisphère sud, je vous recommande d'y aller, parce que le ciel dans l'hémisphère sud est très beau et très riche. Et il y a, comporte notamment un objet qui nous est très intéressant, qui est le centre de notre galaxie. Donc pour aller observer le centre de notre galaxie, objet à aller dans l'hémisphère sud. Donc, il y avait cette volonté de construire un grand télescope, comme celui qui avait été fait à Hawaï, d'une taille similaire, mais dans l'hémisphère sud. Et puis comme ça coûtait de l'argent, donc on s'est mis à plusieurs. Et donc, 5 pays, qui sont donc France, Italie, Allemagne, je ne me souviens plus. Belgique, et puis le cinquième, tu sais. Se sont joints ensemble et on est allé trouver un site qui est un des meilleurs sites au monde, qui est le Chili, au nord du Chili. Et donc on a réalisé ce télescope de 3,60 m sur le site de La Silla, vous verrez. Alors ça, c'est la naissance de l'ESO en 1962, il y a 60 ans. Donc c'est l'anniversaire de l'ESO, c'est l'occasion de cette conférence. Et en 2022, eh bien, les 5 pays sont devenus 16, donc pratiquement tous les pays européens sont maintenant joints. Et puis, il y a à peu près, au total, si on fait le total, 30%, donc un tiers des astronomes du monde entier, ont accès au site de l'ESO. Parana, qui est un des sites de l'ESO, est le plus grand observatoire du monde, en termes de nombre de télescopes et de quantité d'instruments. Et puis, ALMA, vous verrez, le grand radiotélescope, qui est une coopération mondiale, et aussi en opération. Voilà. Et on est en train de construire le encore plus grand. Donc, je reviendrai sur tout ça. Alors, les sites de l'ESO sont situés au nord du Chili, où il y a une région très sèche, qui est un désert, c'est le désert d'Atacama, qui est un désert de roches, donc c'est pour ça qu'on peut y mettre des télescopes, avec assez en altitude, et qui a qui a un ciel particulièrement pur, particulièrement noir, et qui est très peu nuageux.
Parce que en fait, il est juste au bord. Ouais, donc, vous voyez cette espèce de. Donc le Chili, c'est quelque chose d'extrêmement allongé, hein, mais peu large. Donc il y a d'un côté la cordillère des Andes, l'espèce des sommets à 6000, qui fait une espèce de barrière. De l'autre côté, il y a l'océan Pacifique qui est froid, avec un courant froid qui remonte. Donc il y a de la condensation, effectivement, sur l'océan, mais quand l'air arrive sur la partie désertique, l'air est très sec. Et donc, c'est un endroit où il fait quasiment tout le temps. Moi, je dois partir la semaine dernière, la semaine prochaine, et je n'ai pas prévu d'emmener mon parapluie. Mais ça peut arriver une fois quand même qu'il a plu. Donc, le premier site, qui est le site historique, est le site de La Silla, que vous pouvez voir ici, situé donc au nord de Santiago, près de La Serena. Vous voyez ici une photo du site. C'est là où on a mis le premier télescope de l'ESO, le 360, suivi par d'autres télescopes de la classe des 4 mètres. Et puis, un peu plus tard, on a ouvert le nouveau site à Paranal, qui est encore de meilleure qualité, et sur lequel sont tous les grands développements aujourd'hui de l'ESO, avec les 4 lunettes, des télescopes spécialisés et le futur grand télescope qui n'est pas exactement sur le site de Paranal, la montagne de Paranal, mais qui est juste à côté. Et puis il y a Alma, je reviendrai tout à l'heure. Alors, nos télescopes les plus performants aujourd'hui dans le domaine optique, c'est le VLT, le Very Large Telescope. Donc c'est 4 télescopes dont le diamètre primaire est de 8,20 m. Ce sont des miroirs monolithiques. C'est les miroirs monolithiques les plus grands qu'on puisse faire. Après, on n'arrive plus à faire ces miroirs, ils se déforment trop, ils se cassent. Voilà. Ces miroirs, déjà, de 8,20 m sont très fins. Ils sont mous, en fait, souples. Et l'ESO avait développé auparavant un petit télescope, plus petit, la taille des 4 mètres, qui s'appelait NTT, New Technology Telescope, à La Silla. Et dans ce télescope, ils avaient développé la façon de maintenir la forme du miroir par des façons actives. C'est-à-dire qu'avant, quand on construisait un télescope, on faisait le miroir le plus parfait possible. Du coup, le miroir est assez lourd. Il était poli de façon la plus parfaite, puis il s'agissait juste de maintenir l'alignement entre le miroir primaire et le miroir secondaire. Là, quand le miroir devient très grand, on ne sait plus fabriquer ces miroirs monolithiques qui deviendraient trop lourds. Il y a aussi des problèmes de température, enfin plein de choses. Donc, on les fait fins. Mais on va en temps, pas réel, mais très fréquemment, toutes les minutes par exemple, en fonction de la façon dont pointe le télescope, compenser les déformations du miroir pour maintenir sa forme parfaite. C'est ce qu'on appelle l'optique active. Donc l'optique active maintenant se fait pour tous les grands télescopes. Donc ça avait été développé avec succès pour le télescope de 4 mètres et le télescope de 8 mètres. Donc les vérités sont basées sur ce principe d'optique active. Donc on corrige la forme des miroirs et on mesure de façon continue la forme du miroir avec des étoiles de référence et on applique ces déformations au miroir avec des pistons qui peuvent faire plier un peu le miroir pour maintenir sa forme. Vous verrez que ça a poussé à l'extrême, c'est ce qu'on appelle l'optique adaptative, où on peut non seulement corriger la forme du miroir, mais même corriger des perturbations atmosphériques. Alors, il avait été décidé, depuis le début, de construire 4 grands télescopes. 4 grands télescopes, parce qu'en fait, le télescope en lui-même, c'est l'œil, mais derrière, il faut des cerveaux, il faut des choses pour analyser la lumière. Et l'analyse de la lumière, ce sont les instruments. Les instruments sont clés dans un télescope. Parce que c'est les développements de la technologie qui vont permettre de faire plus de choses avec la lumière qu'on reçoit. Une fois qu'on a un télescope, ce qui va définir, c'est
son pouvoir collecteur, donc la taille du miroir, et aussi la qualité d'image qu'il peut faire. Voilà. Mais une fois que ça c'est fait, tout le reste, toute l'intelligence, entre guillemets, est dans les instruments. Alors, avoir les instruments, on les met, ce qu'on appelle, dans des foyers du télescope. C'est-à-dire que la lumière est guidée par les miroirs, puis ensuite elle est renvoyée vers différents foyers. Avec quatre grands télescopes de 8 mètres, on a accès à 12 foyers, puisqu'il y a deux foyers de chaque côté, on appelle les foyers d'Asmis, plus un foyer qui sont invariants par la gravité, c'est-à-dire qu'en fait, les instruments sont toujours, ne bougent pas comme ça, et juste ils tournent lentement autour du télescope, en fonction de la rotation de la Terre. Mais il y a un autre foyer qu'on appelle Cassegrain. Dans ce foyer, l'instrument est attaché au télescope, et donc il va bouger en même temps qu'on observe. Donc ça fait 12 foyers, 12 possibilités d'instruments. Et là, l'ESO a eu cette idée assez intéressante, c'est de mettre à contribution la communauté, la créativité de la communauté, en disant, voilà, on a un foyer, on va faire des appels d'offres, proposez-nous des instruments ambitieux, montrez-nous que vous êtes capable de les faire. Nous, on va financer le matériel. Vous allez financer les personnels. Et en échange de ça, vous aurez un accès privilégié au télescope pour un certain temps. Donc ça a été finalement un schéma très puissant, parce que du coup, les équipes ont été très stimulées pour créer des instruments, aller chercher chez les industriels de nouvelles façons de faire les instruments, de les développer, de les faire les mieux possible, parce qu'ils savaient qu'ils allaient les utiliser en partie, de même trouver des financements complémentaires. Ça a été vraiment gagnant-gagnant. Et ce schéma était très puissant, et je pense que un des raisons du grand succès du VLT par rapport à toute la compétition des autres télescopes du monde, c'est cette façon de faire et la force de la communauté européenne où on a vraiment tous travaillé ensemble. Alors, je ne vais pas vous détailler tous les instruments, là c'est juste un petit collage des différents instruments qui sont faits. Pour construire un instrument, il faut de l'optique, il faut de la mécanique, il faut de l'électronique, il faut de la cryogénie, il faut des idées aussi, de l'argent, de la gestion de projet, parce que c'est long de construire ces instruments. Il y a tout ça qui se met en place. Donc petit à petit, la communauté a appris à faire des instruments de plus en plus ambitieux. Je vais faire un petit détour par ce que j'appelle l'optique adaptative, parce que c'est finalement un élément extrêmement clé du développement de l'astronomie au sol. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le problème, c'est l'atmosphère. Donc, la façon de s'en débarrasser, c'est effectivement d'envoyer quelque chose au-dessus, c'est ce qu'on appelle les satellites d'observation. Il y a Hubble, il y a le James Webb, dont on parle beaucoup en ce moment. Alors vous verrez que c'est très complémentaire, ça fait des choses, mais ça ne peut pas tout faire. Au sol, il y a encore beaucoup de choses à faire, et on peut faire des instruments plus gros, plus lourds, qu'on ne saurait pas envoyer dans l'espace. Donc il y a toujours une espèce d'aspect complémentaire. Mais l'atmosphère, au bout d'un moment, nous gêne trop. Donc si on veut voir des détails, même si on se met dans des sites exceptionnels, même si on se met haut, il reste quand même de la turbulence de l'atmosphère. Donc l'image qui arrive sur les détecteurs, elle est brouillée. Pour imaginer une onde qui arrive, qui traverse le vide pendant quelques millions d'années, que la lumière arrive, cette onde, on dit qu'elle est plane, elle est parfaite, elle n'est pas bosselée. Et en arrivant dans l'atmosphère, il y a de la turbulence, il y a des zones plus chaudes, plus froides, la lumière ne se propage pas de la même façon suivant la température.
Et ces mouvements, cette espèce de comme quelque chose qui boue, hein, ou, voilà, va faire que cette onde va arriver, elle va sortir, avoir juste arrivé dans le télescope, complètement bosselé. Voilà, et c'est ça qui rend l'image floue. Donc, l'idée qui était en germe depuis longtemps, c'est-à-dire si on peut mesurer de quelle façon l'onde est bosselée, je peux déformer mon miroir de façon inverse pour remettre l'onde et la lumière comme s'il n'y avait pas eu d'atmosphère. Donc le principe il est suivant, donc on a ce qu'on appelle un miroir qui peut se déformer, la lumière, l'onde lumineuse déformée arrive sur le miroir, qui est déformée en sens inverse, qui va aller sur le détecteur ou sur l'instrument. Donc très bien. Le seul problème, c'est que la turbulence, évidemment, change. Et plutôt rapidement. Plus on est à des longueurs d'onde courtes, plus ça change vite. Donc si vous voulez vraiment faire ça, il faut le faire à peu près 500 fois par seconde. Donc ça suppose des moyens de calcul, des miroirs qui savent se déformer à cette cadence-là. Donc ça c'est le principe. Alors les premiers développements en optique adaptative ont été faits sur des petits systèmes où on amenait la lumière du télescope sur un petit miroir qu'on faisait déformer, on récupérait une partie de la lumière, on analysait, on envoyait tout ça. Donc ça a pu démontrer que ça marchait, mais ça qu'on rajoutait quand même beaucoup de surface optique, au bout d'un moment on perd la lumière. Donc l'idée est venue de transformer le miroir secondaire des VLT, qui fait à peu près un mètre de diamètre, dans un miroir qui puisse se déformer, mais vraiment se déformer à haute cadence. Donc le miroir déformable. Donc en 2018, donc c'est assez 2017, c'est assez récent, un des VLT a été transformé en VLT adaptatif. Donc le miroir, vous voyez ici le miroir secondaire adaptatif, il y a un peu plus d'un millier de petits actuateurs derrière ce miroir. Ce miroir, il faut imaginer, un miroir de 1 mètre de diamètre, il fait 2 mm d'épaisseur. C'est vraiment une feuille de papier assez large. Et il y a des petits actuateurs, un millier, qui sont derrière, et avec des petits aimants, et qui sont capables d'attirer ou pas les faces, et qui vont bouger 500 fois par seconde pour déformer ce miroir. Alors, ce miroir, il y a un grand miroir primaire, et ce miroir, il est situé ici, en altitude. Donc, c'est l'optique adaptative, il maintient le miroir derrière. Donc, en fait, en vérité, ce miroir, il est en lévitation. Il est en lévitation et il ne se déforme pas rapidement. Donc, on analyse la lumière d'une source lumineuse brillante près de la source qu'on veut observer. On en détermine les perturbations de l'atmosphère et on fait bouger ce miroir. Alors, les astronomes et les opticiens ont été extrêmement créatifs sur la façon de faire ces corrections. Donc il y a tout un tas de façons de faire. Mais avant, une des grandes limitations, c'est que comme on fait ça 500 fois par seconde, il faut que la source de référence qu'on analyse soit très brillante. Or, des étoiles très brillantes, il n'y en a pas beaucoup. Et puis les objets qui nous intéressent ne sont pas forcément situés tout près de ces étoiles brillantes. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fabrique des étoiles. Alors, comment fabrique-t-on une étoile ? À ce niveau-là, une étoile, c'est une source ponctuelle, brillante. Donc, évidemment, on ne sait pas vraiment fabriquer une étoile, mais ce qu'on va faire, c'est qu'avec des lasers, on va exciter la couche de sodium qui se situe en haute altitude, donc à plusieurs kilomètres, et qui est à peu près là tout le temps, qui est un résidu
de la période volcanique de la Terre. Et donc, il y a une couche de Sundberg, située à une dizaine de kilomètres d'altitude. Et donc, la plupart de l'atmosphère terrestre est quand même dessous. Et si on excite ces atomes de sodium à la bonne fréquence, ils vont s'exciter et remettre de la lumière à la fréquence du sodium. Donc on peut créer comme ça une étoile si on focalise un faisceau laser à la bonne fréquence à l'endroit où on veut. Donc on va allumer ces étoiles et puis on va observer la déformation des ondes. Et comme on met suffisamment de puissance, on est capable de faire des étoiles aussi brillantes qu'on veut, et donc on peut observer. Donc voilà, on fabrique des miroirs mous qui s'efforment, on fabrique des étoiles, tout ça pour se débarrasser le plus possible de l'atmosphère. Alors après, c'est dans des tailles plus compliquées, ça dépend de la taille du champ et tout ça, donc plusieurs façons de faire. Mais donc un des premiers essais qu'on a fait, donc vous voyez ici une vraie photo. Donc, à Paranal, que j'ai prise d'ailleurs, en 2017, où on a les quatre étoiles laser à un endroit. Donc, vous voyez, c'est quand même, ça fait assez Star Wars. C'est assez impressionnant. Et puis, quand on est dans le dôme, la lumière, elle émet à qu'une seule longueur d'onde, qui est la longueur d'onde de l'arrêt du sodium. Donc, ça éclaire pratiquement l'intérieur du télescope. Mais comme c'est qu'une seule longueur d'onde, il y a, en fait, le télescope, l'instrument reste noir, en quelque sorte. Il n'y a pas de lumière parasite, uniquement à cette longueur d'onde-là. Donc, ça, c'est l'instrument avec les étoiles laser. Et puis, alors, on a fait un premier essai en essayant de couvrir un grand champ. Et là, l'idée, c'est de voir est-ce que ça peut améliorer ou pas. Donc, c'est un mode un peu plus simple. Mais pour voir si ça marche, donc vous voyez, ça c'est une nébuleuse planétaire, la fin de vie d'une étoile qui éjecte son gaz dans le milieu, le gaz est chaud, il brille, et vous voyez ces étoiles. Donc si vous mettez l'optique adaptative, vous voyez ce changement. Alors c'est pas majeur, mais si vous regardez le petit zoom, vous voyez peut-être l'effet que les étoiles les plus faibles, la lumière était trop étalée, on la voit pas, et elles apparaissent. Donc on va pouvoir concentrer plus la lumière et donc mieux détecter. Alors après, il y a d'autres modes où on va pousser un petit peu le type de correction qu'on peut faire tourner un peu plus vite la machine. Et là, c'est beaucoup plus spectaculaire, mais on peut le faire que sur un petit champ, une petite zone du ciel. Parce qu'après, on n'arrive pas à corriger tout le volume de la turbulence qui est au-dessus de l'objet. Donc là, c'est ce qu'on appelle un amas globulaire. Et vous voyez la partie centrale. Donc, si maintenant vous mettez l'optique adaptative en route, vous voyez que le gain est effectivement spectaculaire. Il y a infiniment plus d'étoiles et vous pouvez résoudre des étoiles, y compris les plus faibles, que vous ne pouviez pas voir avant. Alors, si on pousse la comparaison, en fait, avec le télescope Hubble, donc ça, c'est les images de Hubble en dehors de l'atmosphère, donc là sans aucune perturbation, vous voyez qu'on fait aussi bien, même mieux. Alors, on s'est amusé à faire comme test de Neptune. Donc Neptune, 4,5 milliards de kilomètres, vous voyez l'image de Voyager 2, donc prise à 5000 km. Alors évidemment, ça c'est difficile à faire, hein, depuis le sol. Mais ça, c'était l'image de Hubble, prise en 1994. Muse, qui est l'instrument dont je parlais tout à l'heure, sans l'optique adaptative, ben on voit rien, à peu près. Et avec l'optique adaptative, vous voyez qu'on voit toutes les structures, c'est les bandes de métal qui sont dans l'atmosphère de la planète. Et j'ai mis juste, ce qu'on a obtenu très récemment, l'image du James Webb, obtenu en 2022, qui est assez spectaculaire, mais bon, personnellement, je trouve qu'elle s'en sort pas si mal. Simplement, le James Webb a pu détecter les anneaux, ce qu'on n'a pas réussi à voir ici avec Muse. Mais
ça vous montre quand même que même avec des opérations au sol, on peut faire des choses qui s'approchent de ce qu'on peut faire dans l'espace. Alors, quand on a construit le VLT, il y avait l'idée de base qui était de faire de l'interférométrie. Donc l'interférométrie, c'est de se dire, bon, je ne peux pas construire le diamètre du miroir primaire, il donne les éléments de plus résolution. On veut voir des choses de plus en plus petites, de plus en plus de détails. Si on veut aller voir des planètes autour d'une étoile, choses comme ça, il faut avoir énormément de détails. Donc, soit on construit un télescope gigantesque, mais on ne sait pas toujours faire, on commence à savoir faire, soit on va faire de l'interférométrie, c'est-à-dire qu'on va construire des télescopes séparés, et on va combiner le signal de façon, en gardant ce qu'on appelle l'information de phase, c'est-à-dire sans juste additionner, mais en gardant toute l'information. Si on arrive à faire ça, à ce moment-là, on obtient le pouvoir de résolution du télescope du diamètre en question. Alors bien sûr, on n'a pas autant de lumière que si on avait un grand télescope. Et ça, l'interférométrie, c'est quelque chose de développé depuis assez longtemps et qui fonctionne bien dans les ondes radio. La plupart des interféromètres millimétriques, on verra ALMA, fonctionnent sur ce principe. En optique, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut pouvoir combiner de façon cohérente le signal et c'est très compliqué. Alors vous avez une espèce de petit film qui montre l'instrument qui s'appelle Gravity qui permet de combiner l'image de VLT. Vous voyez, c'est très compliqué parce qu'en fait, il faut récupérer les signaux optiques. On ne peut pas enregistrer les images et puis dire voilà, on les met ensemble. On est obligé de faire ça optiquement. Donc, on va combiner et il y a un trajet optique qui est plus long que l'autre, donc on va le corriger en faisant faire avec un système optique pour les ramener exactement en phase. Et ensuite, on va faire interférer le signal. Alors ça a pris des années pour maîtriser la technologie. Vraiment des années. Le principe était connu depuis longtemps, mais avant que ça marche, vraiment, il a fallu maîtriser plein de choses, des petits détails, les vibrations des télescopes, la façon d'injecter le signal, tout ça. Mais ça a donné des résultats majeurs. Alors, un des résultats, c'est l'observation des mouvements des étoiles dans le centre de notre galaxie. Si vous faites une photo avec énormément de détails du centre de galaxie, vous pouvez observer les étoiles. Si vous répétez ces observations, les étoiles bougent. Alors elles bougent pas beaucoup, parce qu'on est très très loin quand même du centre de la galaxie. C'est pour ça qu'il faut avoir énormément de détails, mais on peut voir les mouvements. Si vous observez les mouvements dans la partie centrale, vous voyez que les étoiles semblent bouger, même s'accélérer, autour d'un point où il n'y a rien. Enfin, vous ne voyez rien. Mais à partir de ça, en utilisant juste les lois de la gravité, vous pouvez mesurer la masse de l'objet qui est là. Si l'objet est très massif, l'étoile qui va arriver va être vraiment accélérée. Et les autres, donc à partir de ces mouvements de ces étoiles, vous pouvez reconstituer de façon assez très précise la masse de l'objet. Et donc ça a permis de mesurer la masse du trou noir qui est dans le centre de la galaxie, concevant un million de masses solaires, de façon précise. Et c'est une preuve très puissante de l'existence des trous noirs géants dans les galaxies. La plus puissante, où il faut remettre en question vraiment les lois de la gravité si on veut faire ça d'une autre façon. Donc ça, ça a été un grand résultat qui a donné lieu à des prix Nobel d'astronomie des chercheurs qui ont utilisé cet outil. Alors si on continue dans l'interférométrie, l'ESO fait aussi, ce qui n'était pas initialement le cas, observe dans des domaines autres que les domaines optiques, qu'on appelle les ondes radio.
Et donc, ici, c'est les ondes dans les longueurs d'onde du millimètre. Donc, là, c'est un projet international, c'est-à-dire à la fois de l'Europe, des États-Unis et du Japon, où a été fabriquée 65 antennes qui peuvent se déplacer avec des petits camions jusqu'à 16 km de distance. Et donc ça, ça donne à la fois la puissance collectrice de toutes ces antennes et jusqu'à une distance de plusieurs kilomètres, on peut résoudre des choses extrêmement fines dans d'autres domaines de longueur d'onde. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, les phénomènes cosmiques qu'on observe ne sont pas les mêmes suivant les longueurs d'onde à laquelle on les regarde. Si vous observez par exemple une supernova qui explose, la plupart de l'énergie va être émise sur des énergies très fortes. Et donc l'étoile va se voir en rayon X, voire rayon gamma, correspond à une phase explosive. Maintenant, d'autres phénomènes qui sont aussi importants pour comprendre comment les étoiles se forment, comment elles évoluent, on va les observer à des domaines de température beaucoup plus basse, qui émettent principalement le flux dans le domaine radio, les molécules par exemple. Et donc, on a comme ça un point de vue global sur l'univers en observant l'univers à l'ensemble de ses longueurs d'onde. Et c'est en croisant toutes ces données qu'on peut comprendre vraiment les phénomènes. Donc avec ALMA, on observe l'univers froid. Avec le VLT, on observe l'univers plutôt chaud. Et avec les satellites gamma, on observe l'univers explosif. C'est toujours le même univers, mais ça correspond à des phases différentes des objets. Et donc les astronomes veulent toujours plus. Et donc ils se sont dit, c'est quoi l'étape suivante ? Le VLT a été un grand succès. L'étape suivante, faire un télescope vraiment très grand. Parce que l'interférométrie, c'est bien, mais ça ne nous permet pas d'observer des objets très faibles. Ça permet d'observer des objets avec beaucoup de détails, mais uniquement ceux qui sont brillants. Si on veut observer des objets très faibles, il faut à la fois avoir un grand pouvoir collecteur, c'est-à-dire un très grand miroir, et aussi corriger de toute la turbulence. Donc, cette idée de l'ELT, l'Extrêmement Large Télescope, qui est en cours de réalisation, est notre prochain grand projet. Alors, juste pour vous dire, le miroir de l'ELT, c'est... Donc, pour donner des échelles, aujourd'hui, on est dans la taille des miroirs de 8-10 mètres. C'est le diamètre. C'est déjà grand. Imaginez un miroir de 8-10 mètres. Déjà, le bâtiment est immense. Quand vous êtes à côté, c'est vraiment tout. Vous êtes tout petit. Mais là, on va à une échelle plus grande. On passe à un miroir de 39 mètres. Alors, 39 mètres, on ne sait pas faire un miroir unique pour faire ça. Donc, on fait des miroirs segmentés. C'est-à-dire, on met des petits miroirs hexagonaux, enfin petits, chacun fait déjà 2 mètres, donc c'était déjà un grand miroir, il n'y a pas si longtemps. Et puis on en met beaucoup, on les assemble, et puis on va tous les positionner en temps réel pour que la forme soit parfaite. Donc, juste pour la petite histoire, le pouvoir collecteur, donc la surface de ce miroir est plus grande que si on somme tous les télescopes qui existent aujourd'hui. Alors, où c'est qu'on fait ça? Donc, il n'y avait plus de place à Paranal. Donc, on a trouvé un autre pic, pas très loin, qui a quelques kilomètres, mais qui sera opéré depuis le même centre. Donc, c'est un avantage, on ne recrée pas toute une infrastructure. Alors, juste sous le point perspective, ça fait quelque chose d'assez grand, la structure. Donc, vous voyez la structure de ça, donc c'est plus grand que l'Arc de Triomphe. C'est un peu moins haut quand même que la Tour Eiffel. Sauf que c'est une structure qui tourne, qui est capable de se positionner, etc. Donc, c'est des enjeux mécaniques de construction, de dôme et tout ça, qui sont assez colossaux. Alors, le schéma optique est un peu compliqué, c'est pas juste deux miroirs, on en a cinq, parce que
pour maintenir la forme d'un tel miroir, ça devient tellement compliqué qu'il faut introduire beaucoup de corrections. Le vent va faire vibrer nécessairement la structure, cette structure immense. Donc il faut pouvoir qu'il y ait des miroirs qui vont corriger ces petits mouvements. Il faut pouvoir... Donc le télescope n'est pas intrinsèquement, c'est un télescope adaptatif, car il ne peut fonctionner que s'il s'adapte. Donc il y a la complexité de créer ces grandes structures, mais la complexité aussi de générer la déformation de toutes ces structures en temps réel. Donc, il est fait de 800 miroirs de 1,40 m. Alors, les miroirs, il faut savoir que de temps en temps, il faut les... Donc un miroir, c'est une surface en verre, et puis on dépose dessus une couche métallique réflective. Au bout d'un moment, avec l'atmosphère et tout, même à paranal, cette couche s'abîme. Et il faut la changer, sinon le miroir perd sa réflexion, réfléchit moins bien la lumière. Donc périodiquement, on l'a changé. Donc là, il a fallu imaginer, donc en fait, ce miroir, il ne sera jamais complet. Il y aura toujours un ou deux petits miroirs qui seront en cours de réflexion. Donc c'est une espèce, à côté du miroir, il y a une usine pour perpétuellement prendre des miroirs qui ont un petit problème, prendre des miroirs qu'il faut faire ce qu'on appelle un coating, etc. etc. Donc c'est une autre façon, ça devient vraiment une façon quasiment industrielle de faire l'opération de ce genre de monstre. Alors après, ce qu'on attend, ça va être spectaculaire. Donc vous voyez une image d'un objet de Hubble. Vous voyez ce qu'on peut obtenir avec le VLT et l'optique adaptative, je vous l'ai montré. Donc, c'est spectaculaire déjà mieux. Mais avec l'ELT, vous allez aller encore plus profond, le nombre d'objets que vous allez pouvoir, donc vous allez vous approcher des confins, vous allez pouvoir observer des détails autour des étoiles proches, etc. Alors, tout est compliqué, construire des instruments, c'est très compliqué parce que les instruments sont nécessairement monstrueux, les échelles sont telles que tout est à l'échelle. Donc ce sont tous des enjeux. Je vais aller un peu plus vite. Alors, où s'en est ? Donc ça, c'est une photo d'il y a quelques semaines de la montagne. Donc la plupart d'infrastructures, des soubassements pour tenir cette structure ont été faites. Et vous voyez que c'est en cours de... Ça avance, ça a été un petit peu arrêté pendant la période de pandémie. Mais les travaux ont repris. Et puis... les premiers miroirs, les premiers segments ont été coulés. Donc là, vous voyez les premiers segments qui ont été coulés. Et les premières structures avec tous les supports sont faits. Donc la machine est lancée. Et si tout va bien, en 2027, on aura la première lumière de ce grand télescope. Alors, qu'est-ce que nous... À l'Observatoire de Lyon, au CRAL, on fait pour les eaux, comme beaucoup d'instituts, mais pas tous. Nous, on est quand même spécialisés en réalisation instrumentale, on a réalisé plusieurs instruments. Donc, MUSE, il faut bien que je vous en parle un peu. Donc, c'est un projet que j'ai lancé en 2004. Et qui était destiné à faire un spectrographe 3D, pas le temps d'entrer dans les détails, mais qui était très ambitieux et qui devait permettre d'analyser la lumière de façon beaucoup plus exhaustive qu'on pouvait le faire avant. Et donc pour ça, on a développé des technologies complexes, optiques, avec des industriels, et on a mis tout ça en place. Bon, ça nous a pris à peu près 13 ans. Donc oui, non, c'est en 2001 qu'on a démarré, et c'est en 2014 qu'on a eu la première lumière. Donc vous voyez la durée des projets. Et cet instrument, c'est un des instruments, effectivement, qui a produit le plus de résultats scientifiques au Chili. C'est un grand succès, et il continue évidemment à être utilisé, il le sera encore pendant longtemps. Donc ça a été une grande opération que nous avons menée avec un consortium
d'instituts en Europe. Et en ce moment, on est en train de terminer la réalisation de spectrographes pour un instrument qui s'appelle Foremost, qui est un plus petit télescope, de la taille de 4 mètres, mais qui va faire des études systématiques spectrographiques du ciel. Donc là, c'est en train de se terminer. Nous ne pilotons pas cette opération, mais nous sommes un des partenaires importants. On est aussi partenaire d'un des instruments de première lumière pour l'ENT. Cet instrument s'appelle Harmonique et il est basé aussi sur la spectrographie 3D, un concept que nous avons développé à Lyon depuis longtemps et qui s'est imposé maintenant sur tous les grands télescopes. Donc, c'est des très grands instruments, cryogéniques et tout, c'est très compliqué, c'est en cours. Et puis, MUSE a été un tel succès qu'on a finalement décidé d'en faire un deuxième, mais cette fois-ci, qui travaillerait dans les longueurs d'onde bleues, à d'autres longueurs d'onde auxquelles travaille MUSE, parce que, comme je vous l'ai dit, suivant les longueurs d'onde, on n'observe pas exactement les mêmes phénomènes. Et donc, par exemple, si vous voulez observer l'univers, à cause de l'expansion de l'univers et le décalage vers le rouge, la lumière s'éloigne vers l'infrarouge. Donc, vous allez avoir un instrument plus vers le rouge. Mais si vous êtes intéressé par les objets un peu plus proches, vous avez intérêt à les observer aussi plus vers le bleu. Donc, c'est assez complémentaire. Donc, ça, c'est un instrument beaucoup hérité de MUSE, certes, mais qui aura une niche scientifique spécifique et sur laquelle on vient de démarrer l'opération. Alors, j'ai plus beaucoup de temps, mais juste quelques résultats brièvement, un peu choisis au hasard presque. Donc, qu'a permis, bon, les eaux produit une quantité de résultats scientifiques assez phénoménal, mais qui couvre à peu près tout le domaine. Donc, sur les planètes extrasolaires, qui est un domaine extrêmement important, l'ESO a plusieurs instruments qui permettent d'étudier ça, et on les étudie, il y a plusieurs technologies, mais la technologie qu'on utilise, c'est la technologie ce qu'on appelle les vitesses radiales. Donc, une planète, on ne peut pas la voir, sauf exception, directement autour d'une étoile. On ne peut pas voir la Terre autour du Soleil, si on se situe loin, parce qu'on est aveuglé par le Soleil, la Terre ne fait que refléter une partie infime de la lumière du Soleil. Donc, si vous mettez loin, c'est comme essayer d'observer, je sais pas, un dé à coudre à côté d'un phare un phare allumé, ben vous ne pouvez pas le voir. Ce qu'on va utiliser, c'est le fait qu'il y a une masse, qui est la planète, qui tourne autour de l'étoile, et donc le centre de gravité de l'ensemble se déplace très lentement d'un côté et de l'autre, suivant l'étoile. L'objet va sembler, suivant la vitesse de rotation, on va pouvoir voir cette oscillation de l'étoile grâce aux effets de vitesse radiale. Et de cette oscillation, on peut en déduire la périodicité de ce qui tourne autour et même la masse. Donc, c'est une méthode très puissante, c'est la méthode à laquelle a été découverte la première planète extrasolaire. Et c'est une méthode pour laquelle il faut mesurer, faire donc de la spectrographie, parce que c'est la seule façon de mesurer l'effet Doppler sur la lumière, mais avec une très très grande précision. Donc ça s'appelle une très grande résolution spectrale, des instruments ultra stables, où on maintient la température, on maintient la gravité, tout est ultra stable, et c'est la seule façon de mesurer ça. Et donc, un instrument qui est situé sur 3,60 m, télescope ancien certes, mais l'instrument lui-même est ultra moderne, il s'appelle ARPS, et qui permet de mesurer les vitesses radiales avec une très grande précision. Donc, par exemple, sur Proxima Centaure, on a pu comme ça découvrir toute une série de planètes. Comme c'est notre plus proche voisine, c'est intéressant. Enfin, je vous rassure, on ne pourra pas y aller, hein, parce que c'est vraiment un petit peu loin.
avec Alma, on a participé à observer, pas le trou noir directement, mais ce qu'on appelle la limite observable du trou noir, ce qu'on appelle l'horizon du trou noir, où la lumière, les objets disparaissent dans le trou noir. Donc le trou noir lui-même, évidemment, n'émet pas de lumière, mais les étoiles, tout le matériel qui va disparaître dans le trou noir, évidemment, accéléré de façon très forte, chauffé à blanc, et émet de la lumière, et puis ensuite disparaît à jamais dans le trou noir. Mais on peut voir cet horizon, et cet horizon est très très petit, parce que les trous noirs sont des objets extrêmement denses. Et donc, pour ça, il faut une résolution spectaculaire. Et pour ça, donc, ont été couplés ALMA avec d'autres télescopes millimétriques de la planète pour utiliser ce qu'on appelle la base. La base, c'est l'équivalent du miroir le plus grand. Cette fois-ci, la base, c'est pas quelques kilomètres, comme 16 kilomètres pour ALMA, c'est le diamètre de la Terre. Et en utilisant le diamètre de la Terre, on peut du coup voir des détails extrêmement fins et reconstituer des images. Donc ça, c'est l'image que vous avez vue, qui est effectivement l'horizon du trou noir. Puis on a pu en observer d'autres, celui-là, c'est celui de notre galaxie. Un résultat de MUSE, qui a observé les galaxies dans les galaxies sont des objets grégaires qui se forment, et les grosses galaxies ont tendance d'ailleurs même à avaler les petites. Donc dans le système de formation et d'évolution des galaxies, toutes ces galaxies, il y a ce qu'on appelle des amas de galaxies. Donc des régions où il y a beaucoup plus de galaxies. On a observé des phénomènes assez étranges, que les galaxies, ce qu'on appelle, ressemblent un peu, on appelle ça des méduses cosmiques, elles semblent avoir une espèce de chevelure. C'est du gaz chaud, et en fait ce qui se passe, c'est que ces galaxies rentrent à très grande vitesse dans ces amas. Ces amas, il y a quand même de la matière, ça fait une espèce de frottement, et le gaz de la galaxie est arraché, et s'échauffe, et on peut comme ça recomprendre l'interaction de la galaxie avec l'amas. Donc ça s'appelle les médusées. En étudiant ça, on s'est aperçu que ce phénomène avait tendance à créer sans doute plus de trous noirs supermassifs dans les galaxies. Et un dernier résultat obtenu par MUSE, c'était d'observer ce qu'on appelle la toile cosmique. Alors la toile cosmique, donc dans nos modèles du Big Bang et de l'évolution de l'univers, on sait qu'il y a une compétition entre l'expansion de l'univers et la gravité, et que dans ce modèle, les galaxies vont se créer le long de filaments de matière, ce qu'on appelle la toile cosmique. Au nœud de plusieurs de ces filaments, les galaxies vont fusionner entre elles. C'est un phénomène assez compliqué, mais qui est observé parce que les galaxies ne sont pas réparties de façon uniforme dans l'univers, et ça, on a pu le mesurer et l'observer. Et donc, l'enjeu ici, c'était d'observer directement la toile cosmique en observant le gaz, parce que c'est dans ce milieu que se forment les galaxies, et il y a une interaction compliquée entre les galaxies et le gaz qui génère leur évolution. Et puis juste pour terminer, complémentarité sol ou espace. Alors voilà, donc vous avez vu, tous entendu parler du James Webb, magnifique télescope, 6 mètres de diamètre, qui produit des résultats spectaculaires parce qu'il est en dehors de l'atmosphère, parce que les instruments sont très perfectionnés, parce qu'il observe aussi dans l'infrarouge. Dans l'infrarouge, une bonne partie de la lumière infrarouge est absorbée par l'atmosphère. Donc il y a des domaines de longueur d'onde qu'on ne peut pas observer au sol.
l'UV, l'extrême UV, l'infrarouge, certaines bandes de l'infrarouge, on ne peut pas observer du sol. Donc c'est important d'aller dans l'espace. Mais en parallèle, on peut pas, ça coûte très cher d'envoyer des instruments dans l'espace. On ne peut pas changer les instruments. Hubble, on pouvait, mais c'était le dernier. James Webb, il est situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre pour être dans une région noire de l'espace. Donc on ne va jamais rien envoyer. Ça coûte très très cher parce que ça ne peut pas ne pas marcher. Donc tout est testé, testé, retesté. Donc en parallèle de ça, quand on fait un 6 mètres dans l'espace, on essaie de faire un 40 mètres au sol. Et c'est cette complémentarité qui nous permet effectivement d'interroger l'univers avec différents moyens et de mettre toutes ces données pour essayer de mieux comprendre notre univers. Et je termine là. Merci beaucoup. Et j'ai une question de logistique, parce que les eaux, les choses sont basées plutôt en Europe, donc les matériaux sont, les composants des matériaux sont fabriqués en Europe, et comment on va pouvoir les transporter au Chili? Quel est l'enjeu avec ces choses très très fines, ces miroirs qui sont très très délicats? C'est effectivement une question tout à fait intéressant. Je vais vous répondre par l'intermédiaire d'un exemple. Donc, quand j'ai lancé le projet MUSE, on s'est focalisé sur les optiques, les choses qu'il fallait faire, définir, les choses qu'on n'avait pas à faire dans le projet. La logistique, je ne sais plus qui disait la logistique suivante, j'avais plus ou moins dit ça en oubliant la logistique, en fait, qui s'est violemment rappelée à moi. À un moment donné, quand on commençait à être prêt, donc MUSE c'est 50 tonnes, mais avec tous les matériels qu'il y avait autour, c'était beaucoup plus. Donc il y avait toutes ces caisses qui fabriquaient, puis les autres commençaient à dire, mais attention, vos optiques que vous avez envoyées là-bas, parce que c'est la première fois qu'on construisait, en fait, non pas un instrument, mais 24 instruments ensemble, c'était un truc un peu dingue. Et donc, ils ont dit, mais comment vous allez transporter ça? Parce que vous avez passé des mois à aligner les optiques parfaitement et vous les envoyez là-bas. Est-ce que vous voulez recommencer ça au milieu du désert? Alors on avait dit non, on ne veut pas recommencer ça. Donc ils ont fait prendre conscience qu'il y avait vraiment un problème de logistique. Donc on s'est dit, bon voilà, il faut envoyer une optique, un module qui pèse 200 kg, dans lesquels il y a des optiques très compliquées, extrêmement coûteuses, et qui sont alignées à quelques microns près, et ça doit aller au bout du monde, et être toujours aligné. Donc, c'est devenu un projet dans le projet. C'est-à-dire qu'on a fait étudier des caisses par des industries spécialisées, dans lesquelles toutes les phases, la résonance, les vibrations sont amorties. Ensuite, une fois qu'on a sélectionné la boîte qui pouvait faire ça, une fois qu'elle nous a fait les caisses, on les a amenées, on les a fait des tests, on a mis dans des accéléromètres, on les a fait vibrer sur des choses qu'on voulait, on a mesuré, mais on n'était quand même pas sûr, donc on a pris un des instruments, on l'a mis dedans, on l'a envoyé au Chili, et au Chili, on l'a débarqué de la caisse, on l'a remesuré, et c'était bon. Et du coup, il est revenu participer à l'alignement final et ensuite tout est parti. Bonsoir et merci pour votre présentation, c'était super. C'est une question peut-être un peu pragmatique, en fait j'en ai deux. Je ne sais pas à quel point la réponse est longue, donc je vais vous donner les deux puis vous choisirez. Merci. La première question c'est, donc la Terre tourne sur elle-même et tourne autour du Soleil, donc il y a déjà deux mouvements. Et ce qu'on observe, ça bouge aussi. Donc, comment on arrive à observer quelque chose alors qu'il y a autant de mouvements qui viennent se contredire, peut-être? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, vous aviez parlé de...
Vous avez parlé de la lumière bosselée. Et en fait, c'est donc, ce que j'ai compris de la chute. Ouais, ouais. Et en fait, puisque la lumière vient si loin et que si l'atmosphère de notre Terre la perturbe, forcément elle va rencontrer quelque chose dans son trajet entre, je ne sais pas, le début de son parcours à 13 millions d'années-lumière et maintenant. Donc forcément la lumière n'est jamais pure, elle a déjà été. Elle a déjà bossé. Très bien, alors les deux questions, je pense, pour répondre assez vite. Donc je vais commencer par la dernière. Donc en fait, la réponse est non, l'univers est essentiellement vide. L'univers est. La probabilité que d'une étoile, la lumière qui arrive sur la Terre, rencontre un objet est infiniment faible. On se rend. Parce que. Nous, on vit dans un univers dense. Même le système solaire est relativement dense, et pourtant, si vous allez vers l'extérieur, les planètes sont de plus en plus loin. Mais la galaxie, c'est assez dense, mais en dehors de ça, il n'y a rien. Et même dans une galaxie, on va, dans quelques milliards d'années, nous allons fusionner avec la galaxie d'Andromède. Très belle galaxie, quelques milliards d'étoiles. Nous aussi, on a à peu près autant, une centaine de milliards. Tout ça, on va fusionner. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la fusion, la probabilité qu'on ait des chocs physiques, genre boule de billard, est pratiquement zéro. Deux galaxies peuvent fusionner entre elles. Elles vont se déformer à cause des effets de gravitation, de marée et tout ça. Mais que deux étoiles se rentrent dedans, pratiquement. Donc l'univers est vraiment vide. Et donc pour la lumière, c'est la probabilité qu'elle s'est reçue était déformé et quasiment nul. Ça, c'était la première question. Il faut juste me dire un mot dessus. C'était les mouvements célestes. Les mots. Ah oui. Alors en fait, on ne fait pas parce que ce qu'on regarde, en fait, ce qui nous intéresse, c'est les mouvements relatifs. Parce que de toute façon, tout bouge dans l'univers. Donc, en ce moment, bon, vous avez vu, oui, on tourne autour de la Terre, tourne autour d'elle-même, on tourne autour du Soleil. Mais le Soleil est en train de tourner autour de la galaxie, hein, on est à quelques centaines de kilomètres par seconde. Bon, ça se passe bien. Donc en fait, l'univers est en expansion, donc tous les objets qu'on observe sont bons. Donc ce qui va nous compter, c'est les mouvements relatifs. La mesure d'un absolu est très compliquée. Et ça a été l'objet d'un satellite qui a été lancé par l'Agence européenne. S'appelle Gaïa, qui a mesuré la position de toutes les étoiles pour essayer d'avoir ce qu'on appelle un référentiel qui permet de replacer les choses. Mais c'est très compliqué. Et ce n'est pas nécessaire dans beaucoup de cas. Bonsoir, merci pour votre présentation, c'était passionnant. Une petite question qui est peut-être un petit peu difficile à répondre, c'est peut-être trop précoce, mais est-ce que vous pensez qu'on va s'arrêter à 39 mètres? Non, c'est une bonne question, enfin, que je me pose souvent. C'est quoi la suite? Forcément, à mon avis, il y a une limite. La limite, c'est probablement la façon qu'on peut, peut-être sans doute qu'on soit un peu plus grand, mais est-ce que c'est ça qu'on veut faire? Est-ce que le gain, il est proportionnel au coût, à la difficulté? Est-ce que l'atmosphère, parce qu'on a quand même l'atmosphère, quand on veut, est-ce que l'atmosphère, on va la connaître, on peut la connaître dans suffisamment de détails, finement, pour pouvoir la corriger, parce que plus le télescope est grand, plus il faut la corriger de façon fine, si on veut obtenir le pouvoir de réduction du télescope. Donc peut-être que non, peut-être que c'est pas ça, peut-être qu'il y a d'autres approches. Et donc on est en train d'afficher à d'autres approches. Des télescopes peut-être plus petits, mais très spécialisés, qui vont faire des choses en quantité immense. Vous voyez, c'est plusieurs approches, par exemple. Nous, l'Europe a construit l'ULT, quelque chose de magnifique. Ça va être compliqué à mettre en opération, on va y arriver. Les Américains ont des projets similaires, mais pas aussi avancés. Par contre, eux, ils ont choisi de construire un télescope plus petit, d'appel à 8 mètres, mais avec un très grand champ, et de couvrir tout l'espace focal du télescope avec des détecteurs, et de faire d'obtenir des milliards de données. Donc actuellement, on est en train de réfléchir au niveau européen à faire quelque chose comme ça, mais en spectroscopie.
Donc c'est aussi d'autres approches, il y a aussi l'interférométrie, au sol, dans l'espace. Moi, je ne suis pas inquiet de la créativité des gens. Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation. En regardant les dernières photos, j'avais l'impression que vous aviez décapité une montagne. Donc, pour le LT, est-ce que j'ai bien vu, premièrement? Et deuxièmement, à quelle altitude se trouvent tous ces télescopes? Et si c'est très très haut, comment est-ce que vous gérez la maintenance? Alors, oui, on a décapité, c'est un peu dur, mais on a coupé, effectivement. Pour faire une surface plane suffisamment grande, donc on a fait exploser les blocs. On en divague les choses. Donc on l'a fait pour le VLT, on l'a fait pour le VLT. C'est à peu près nécessaire. Pour les latitudes, latitude est importante, mais pas que. C'est aussi où est le site, comment est la turbulence, est-ce que les coulements d'air, est-ce qu'on appelle la lumière, est-ce que les turbulences, ces choses-là. Le VLT est à 2004, dans la zone est, c'est à peu près 2400 mètres d'altitude, c'est pas très haut. Plus confortable quand on l'a observé. J'ai observé à Hawaï, c'est à 4002, compliqué. Et le Alma est à 5000 mètres. Là, ça devient très compliqué, on ne peut pas être à 5000 mètres. Donc, la maintenance doit être quasiment automatisée, il y a très peu de gens qui peuvent y aller. C'est dans des conditions, enfin, l'oxygène, etc. Bien, vraiment très bien. Donc, en général, on se situe dans ces altitudes-là, quoi, entre 2000 et 4000. Bonjour, je voulais savoir, c'est-à-dire concrètement, vous faites comment? C'est-à-dire, quand vous êtes sur place, c'est-à-dire, vous donnez les coordonnées que vous voulez voir? Oui, oui, oui. Alors, comment se répartit le temps de télescope? Donc, c'est quand même des machines qui coûtent assez cher, qui sont réparties sur toute la communauté européenne, il manque beaucoup de gens. Donc, en fait, vous avez une idée, vous dire, ah, mais moi j'ai une idée, je pense que je peux trouver une nouvelle planète extrasolaire qui a l'air super sympa, et qui va résoudre tous les problèmes de la théorie. Donc vous écrivez une demande, il y a un comité de scientifiques qui va analyser la demande, qui va dire qu'il va vous croire ou pas, et puis il va classer la demande, et puis, suivant le coefficient de pression, ce qu'on appelle, votre demande sera acceptée. Et on vous donnera 3 nuits. Donc la plupart du temps, vous n'y allez pas. C'est des astronomes professionnels qui sont là-bas. Et vos 3 nuits sont programmées. Et donc, vous allez fournir l'ensemble des données préparées, la configuration d'instrument, les positions de l'objet. Et après, le télescope, vous mettez les positions, et puis il va automatiquement dessus. Vous voyez, quand on construit l'instrument, on construit des choses pour vérifier qu'on est bien là où on peut être. Tout ça, c'est pour ça que c'est compliqué de construire l'instrument. Car il y a un aspect logiciel super important. Voilà. Mais, alors on ne parle pas, plus avec lui, malheureusement. Et aussi, vous avez montré la vidéo où on voit la lumière qui arrive. Et ça dure combien de temps? C'est instantané entre vous? C'est la vitesse de la lumière, donc 300 000 km par seconde, relativement instantané. Merci pour votre présentation. J'avais une question. Vous avez dit qu'il faut utiliser le miroir pour contrebalancer les interférences et pour modifier optiquement ces interférences pour obtenir l'image finale. Mais est-ce que ce serait pas possible d'enregistrer les images et les interférences au même moment et de les combiner informatiquement? Oui, c'est une bonne question. Alors, c'est ce qu'on fait dans le domaine radio. C'est ce qu'on fait dans le domaine radio, dans le domaine des longueurs d'onde basses. On peut le faire parce que, en fait, ce qu'il vous faut, c'est enregistrer le signal, il faut savoir très précisément quand. Donc, on n'est qu'une horloge atomique, vous avez le signal, vous l'avez enregistré à l'instant T, vous prenez votre signal, à l'autre bout de la Terre, le même objet a été observé, au même temps, et vous les combinez. Une combinaison a posteriori du signal pour reconstituer le signal interféromètre. C'est ce qu'on fait couramment dans les interféromètres radio. Dans le domaine optique, la fréquence
la lumière est beaucoup trop grande pour qu'on puisse le faire. Il faudrait non seulement pouvoir figer cette information à cette fréquence-là, mais aussi figer le temps, ça fait des quantités absolument phénoménales, donc on est encore loin de pouvoir le faire. Il faudra stocker des données absolument monstrueuses aussi, etc. Donc la seule façon de faire, c'est optique. Bonsoir, j'avais une petite question. Vous avez abordé un petit peu le sujet au début de la conférence, mais je voulais vous demander quelle était finalement la raison de la focalisation sur l'hémisphère sud, et la question corollaire, c'est est-ce qu'il y aurait un intérêt à construire un ELT dans l'hémisphère nord? Un deuxième. Alors je sais que ça coûte trop cher peut-être, mais oui. Au-delà de la question du coût, est-ce qu'il y aurait un intérêt scientifique? Oui, il y a un intérêt parce que... Alors on les construit relativement, ils sont dans des zones, ils sont sous les tropiques, donc ils accèdent une bonne partie de l'autre hémisphère, mais pas tout. Mais il y a un intérêt, mais en fait on se partage un peu le monde, en général, c'est-à-dire que quand il y a un ELT qui est fabriqué par l'Europe dans le sud, il y a des projets de ELT dans le Nord, mais qui ne sont pas aussi avancés, pour la raison du financement. Et donc oui, il y a un intérêt, c'est pas forcément indispensable. C'est vrai qu'il y a un objet très particulier à l'hémisphère sud, qui est notre centre de galaxie, mais il y a d'autres des galaxies, par exemple Andromède, observables que depuis le Nord, une galaxie intéressante, proche, et c'est pas fondamental pour toutes les questions auxquelles se pose, c'est l'origine de l'univers, il est partout. Vous regardez là, c'est l'origine de l'univers, là aussi, donc là, il n'y a pas de souci. Finalement, en astronomie, c'est assez rare qu'on regarde des objets en particulier, on regarde plutôt des classes d'objets. Voilà. Donc, comme de toute façon, vous voulez comprendre ce type de galaxie, et bien c'est vous en observez plein, et puis ils ont observé de plus ou moins lointaines, donc qui correspondent à des âges différents, et vous reconstituez l'histoire de la formation des galaxies, non pas parce que vous pouvez suivre l'évolution des galaxies, évidemment on ne peut pas le faire, mais parce que vous pouvez dire, bon, ben, elles sont de la même famille, et donc je peux reconstituer comme ça ce qui se passe, comment la galaxie évolue, donc on observe plutôt des classes d'objets. Bonsoir. Vous parlez souvent, enfin vous mentionnez souvent les pays européens et même les États-Unis pour des projets qui se passent du coup dans l'hémisphère sud. Et du coup, je me demandais, est-ce que ces pays-là, qui sont concernés par le lieu, ne sont pas aussi concernés par la logistique, les projets et, Oui, effectivement. Alors, ce qui se passe, c'est que souvent, l'astronomie dans ces pays-là était peu développée. Mais évidemment, par exemple, le Chili reçoit, sans en payer le coût, une partie du temps de tous les télescopes qui sont sur son sol. C'est bien normal. Mais il y a aussi l'idée d'utiliser ces outils pour développer, faire monter en compétence la science et l'industrie dans ces pays-là. Donc, le Chili a beaucoup développé ces universités, l'astronomie est maintenant quelque chose qui est devenu important. L'attrait aussi d'avoir du temps garanti sur ces objets, sur ces instruments qui sont exceptionnels et pour lesquels il est très difficile d'avoir du temps, fait que des grands chercheurs sont venus s'installer au Chili pour avoir accès à l'infrastructure. Donc c'est gagnant-gagnant, il y a quelque chose comme ça. Mais bon, malgré tout, une bonne partie quand même de la technologie et tout est développée en Europe. En fait, nos États, ils payent pour la connaissance et ils aiment bien aussi que ça retourne à leur industrie. C'est vrai sur l'astronomie spatiale, c'est encore plus vrai sur l'astronomie spatiale, où les États regardent le retour industriel sur leur économie. Bonsoir et merci. Je ne sais pas si vous pouvez y répondre, si vous avez le droit, mais je me demandais quels étaient les futurs projets d'observation de l'ESO sur lesquels on va se concentrer dans les prochaines années. Je sais qu'on a eu les dernières images de trous noirs, mais est-ce qu'il y en a des spécifiques?
Alors, c'est difficile, d'abord, c'est pas centralisé, c'est la communauté. Donc, c'est la communauté, donc, si vous avez une idée qui est géniale, si vous arrivez à convaincre quand même l'ensemble de la communauté, les autres, c'est finalement, c'est nous. Donc, si vous arrivez à convaincre que c'est un enjeu capital, qu'il faut mettre beaucoup de temps de télescope là-dessus, ben, ce temps vous sera donné et vous allez le faire. Donc, plus vous demandez de temps, plus c'est difficile à faire. Mais, donc là, on ne peut pas prédire. On construit les instruments qui sont capables de faire beaucoup de choses. On les construit avec une idée précise. Quand vous proposez de construire un instrument à l'ESO, vous ne dites pas, mais je voudrais construire un instrument. Ah, et puis ça va être génial, il va utiliser ça et ça. Non, vous devez dire avec ce qu'on appelle un cas scientifique. Vous dites, si on fait cet instrument, alors on va faire beaucoup mieux, on va pouvoir répondre à telle question sur laquelle on ne peut pas répondre. Ça. Ça, c'est vrai. Mais il faut 10 ans pour construire un instrument. Au bout de 10 ans, les choses ont pu évoluer. Alors, l'instrument va répondre ou pas aux questions que vous avez posées. On apporte d'autres questions, ça c'est un peu pas sûr. Et puis parfois, il va être utilisé sur quelque chose que vous n'avez pas prévu. C'est tout l'intérêt de construire un instrument, c'est que de temps en temps, l'univers est capable de nous surprendre. Bonsoir. On a une question un petit peu spéciale, puisque avec tous ces projets, on fait des instruments de plus en plus grands, on va chercher les bouillèmes au niveau astronomique. Malheureusement, il y a des sociétés qui mettent en place des systèmes commerciaux avec des satellites de partout, par milliers. Est-ce que ces étoiles qui sont en train de mettre en place ne vont pas perturber ces grands observatoires? Oui, c'est vrai, hein. C'est vrai, mais bon, c'est un peu aussi comme les domaines de fréquence, hein, avec les téléphones portables et tout. Donc, on est arrivé globalement à maintenir le fait que tout le ciel ne soit pas pollué au niveau fréquence partout. Donc, il y a encore des régions. Mais c'est vrai que ces satellites vont nous gêner. Il y a des prévisions qui sont faites. Alors, ça gêne surtout en début de nuit. On les voit, plus les instruments ont des grands champs, plus ils ont. Voilà. Oui, c'est comme ça. Alors, je crois qu'on a essayé de les faire repeindre un peu, mais. Les enjeux économiques sont grands et on n'a pas tellement les clés. L'espace est un espace ouvert et pas du tout réglementé. Donc, voilà. On subit un peu les choses. Je pense que ça ne mettra pas en risque les choses. Il va falloir peut-être gérer correctement. L'avantage, c'est que les satellites, on sait où ils sont, on sait bien, donc on peut. Voilà. Quand par exemple, un autre exemple, on a les lasers. Alors par contre, là, les lasers, c'est nous qui gênons. Parce que quand on tire sur l'atmosphère, s'il y a un avion ou un pilote qui vient, il peut être aveuglé. Voilà. Donc, on est obligé on a des choses qui détectent les avions et qui arrêtent le laser le temps que l'avion passe. Enfin, ça se dit, c'est pas gênant. Donc on trouve des moyens pour gérer d'autres enjeux. Hein. L'enjeu aussi de réchauffement climatique. Aujourd'hui, quand on va penser à construire un télescope, demain, ça prend 10 ans, on ne va pas les construire comme on les construisait hier. On doit intégrer ces problèmes de réchauffement climatique dans la gestion. Donc, par exemple, sur le projet qui est vraiment cette façon de station, un grand télescope pour faire des surveys spectroscopiques, on va produire des terabytes et des terabytes de données. Et bien, on veut que ces données restent sur le télescope, ils ne se promènent pas sur toute la planète. On veut qu'il y ait de l'électricité solaire. Ces endroits où il y a beaucoup de soleil, par définition. Donc on puisse gérer ces centres de calcul très importants. Et on va imaginer comment, aujourd'hui, les astronomes récupèrent les données, ils jouent avec, et puis ils publient des papiers. Et bien là, on va faire que, donner les moyens aux astronomes, que les logiciels aillent vers les données, plutôt que l'inverse. C'est des exemples intéressants de mettre à dans la construction du télescope, cet enjeu climatique qu'on n'a pas de raison nous-mêmes de s'en distraire.
Merci, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Merci pour la conférence encore une fois, Hollande, et merci pour vos questions. Bonne soirée, et pour information, la conférence sera certainement disponible en ligne sur la chaîne YouTube de l'Université Lyon 1 dans les semaines qui viennent, donc n'hésitez pas à consulter la chaîne YouTube de l'Université, la playlist de l'Observatoire de Lyon plus précisément, dans les semaines qui viennent pour reconsulter la conférence si vous souhaitez ou la partager autour de vous. Merci à vous, bonne soirée. Merci.